Impossible de ne pas succomber à ce délicieux parfum. Mais avez-vous une idée sur la technique de sa préparation ? Ses doigts de fée distillent ses pétales avant de les mettre dans l'alambic. L'qtara, pièce maîtresse de cette technique. Quelques minutes plus tard, de doux effluves s'exhalent des tuyaux. Chaque printemps, la fleur d'oranger est cueillie et distillée. C'est une tradition ancestrale que nous veillons à perpétuer. La distillation de la fleur d'oranger a un côté très spirituel. Ces femmes derrière ce procédé méticuleux sont les gardiennes d'une tradition citadine qui remonte à fort longtemps. La Zahria, un mousse manuel initié par l'association Almounia de Marrakech, une manière d'assurer la pérennité de ce patrimoine inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel national. La Zahria de Marrakech dure 10 jours. Cette année, nous organisons des ateliers au profit de jeunes filles pour les initier et pour leur faire aimer cette tradition. Un moussem qui sublime le printemps, sa fleur blanche et ses traditions. Et quoi de mieux pour le clôturer en apothéose que ces belles notes de musique andalouse.